Ah, Alexis, tu vas pouvoir venir cast avec moi. Et toi? Ah, bien, une vraie compétition, c'est la vraie rivalité de cette lake. Bah, de toute façon, bah, c'est ça, Zone Rose va maintenant absolument gagner s'ils veulent espérer participer au, au playoff. C'est leur match à win. Parce qu'on rappelle que. Le stream run ou pas? Voilà. Et bah, on rappelle que Dalton nous a sorti la meilleure prestation de l'année en venant battre ces petits prétentieux d'Aderf. Avec un sans fini, on rappelle qu'il a été magistral sur Sivir, 16 minutes, quasiment 100% de kill participation, des dégâts mirobolants, qui avait du coup top XP de la map, c'était incroyable. Et un KDA, on n'en parle même plus. Et en face, on a ces petits loups, ces petits zone wolves qui vont devoir essayer de grappiller, qu'on la hargne, hein, qu'on la hargne, puisque d'une part, c'est leur petit copain, leur petit. Leurs camarades de classe, c'est ceux qui massent en sous-vêtements à longueur de journée, contre qui ils vont devoir leur pétrir le cul et montrer qui est-ce qui mobilise le mieux les autres, tout simplement. Hein. Est-ce que tu te rappelles la dernière game? Est-ce que tu as été voir un peu ce qui le match-up précédent? Ou pas? Bon, en fait, si tu veux que je te rappelle, c'était Dolto 2 en blue side et du coup Zonoz en red side. Au top, on avait du coup Azer Elite qui était sur son Olaf contre le Urgot de Nova Art. En jungle, on avait Fiddlesticks contre Evelynn. Au mid, on avait la fameuse Séraphine de Destructeur Konora contre le Galio de Gripin. En botlane, on avait H et 7 du coup pour Sakio et Sanfilon contre Kaisa et Nautilus pour comment il s'appelle Bass et Greggy le boss. On rappelle hein, Kaisa Nautilus qui est une excellente botlane mais qui peuvent nous ressortir cette même botlane. Hein. En plus, si Greggy le boss joue quelque chose des supports un peu comme ça agressif, enfin, agressif tank, il y a Alistar, il y a Leona, il y a plein de choses. Alors que la Kai'Sa, elle va être à un prix qu'a priorisé. Et vu qu'ils sont blue side, ils auront le first pick basse, donc bah, c'est Zone Rose. Donc ils peuvent essayer de choper cette Kai'Sa si elle n'est pas ban. Bah, la Sivir, moi je pense qu'elle est bonne. Hein. Je pense que la Sivir, tu peux rêver si tu. Bah, vu la game qu'il a fait, pour moi ça se pose même pas une question. C'est une question qui se pose pas. Ils vont pas entendre notre analyse. Mince, YouTube n'aura pas droit à notre superbe analyse et à notre encensement de cette game. D'ailleurs, mettez des pouces bleus sur YouTube. Les commentaires. Enfin, façon... D'ailleurs, j'ai regardé, Adair contre Dolto 2 n'a pas tant de vues que ça. Donc, si jamais vous avez des games à voir, c'est ça, hein, c'est Adair Dolto avec la fameuse prestation de Sanfignon. Donc, c'est le match à voir. Hein. Je vois qu'elle a que 16 vues alors qu'elle devrait en avoir au moins 50. Enfin, c'était le best match.
Ah, puis Sanfino qui veut se faire ban à Sivir, il vient de lancer sur le chat. Let's go, le fast team Sivir. Qu'est-ce qui a été, qu'est-ce qui avait ban? Je regardais vite fait la phase de draft. La précédente gamme. Il y avait quoi? Il y avait. Ah bah oui, bien sûr, il y a eu la Nico des Sauteurs Konoha qui a été ban, le Hekarim de Coxy, okay, et le Panthéon de Sakura, qui a trois bons bans en première rotation de la part de Zone Rose, je trouve. Entre le Vel'Kozmi, le Tahm Kench et le Gnar. Ok. Ok, après du Horn, de la Senna, de la Kindred, du Lucian. Plutôt classique, plutôt des bons target bans de la part de Zone Rose, je trouve. Tac tac tac, donc il manque qui là? Qui n'est pas encore arrivé, qui est le retardateur? Zone Walls. Tac tac tac. Bon, quoi, il manque X-Demon White, c'est qui ça? X-Demon White. Ah, ils ont changé de nom, ou c'est des nouveaux joueurs, parce que Bonesquaker et Demon White, c'était pas eux. C'était Atomic Lanvi et Gravy le boss. Après, avec le micro, j'entends des grésillements, cher Alexis. Ouais, je sais pas si c'est pareil sur le flux en direct. Bon, alors, quand est-ce qu'elle est censée être de la game là? Et à mon avis. On avait dit à 21h15 hein, de base, hein. Allez. Bon, il manque leur jungle. Where is Atomic Envy? Te laisser en solo cast. Enfin, bah, quel plaisir. Moi, pour battre Sakyo, il y a toujours, je suis toujours présent. Non, c'est bon, j'en ai marre d'école. J'y retourne plus. C'est fini. Fini ces conneries. Me convient parfaitement. Voilà, je pense à vous qu'à être bloqué sur Paris, hein, mais quel enfer. Et du coup, oh. Mais je sais pas, déjà Bonesquaker c'est qui? Ça doit être Greggy le boss. Et du coup, il manque Atomic Envy. T'es kick par qui? Je t'invite. T'as pas reçu? Invité. Ah, peut-être falloir recréer le lobby des gens. Ah! Hop, vas-y, invite. Hop, hop. Oh là là, ça a été rapide, non? Quelle efficacité, c'est ça. Oh, Tony Clonvie est là en plus. Bon, je peux pas écrire dans le chat, mais.
TV, exactement. Qui a l'air d'avoir un petit retard, encore une fois. Son PC qui est encore en train de voir que les personnes se déconnectent une à une. Non, mais Nico, je connais pas, c'est vous qui allez connaître ça. C'est qui? Ah là, let's go, vas-y. Moi, je peux pas écrire dans le chat, dans le channel de gauche, mais vas-y, il est hors de lancer la game. Oh, c'est bon. Go, go, go. Oh. On se remet dans l'ordre. Ah, moi, je verrais bien. C'est ça, le structure Konoha qui refuse de montrer qu'il appartient à cette école de l'FM. Peut-être qu'il a honte de cette école, je ne sais pas. En tout cas, il y a la Discord au sein de cette équipe de Zone Wolves. Déjà la Discord. Oh, regarde comme c'est mignon, ils sont tous or. Or 14, or 14, 14, 1. Ça. Sauf qu'ils auraient pu faire 1, 2, 3, 4 et. Ah, dans cette phase de draft, exactement. Moi, je repartirai personnellement sur des bans semblables à la prochaine fois, à la dernière game pour Zone Wolves. Alors, ils étaient bons. Retirer la Nico Destructeur Konoha, peut-être retirer la Sivir et puis le Panthéon. Quoique Panthéon s'est fait nerf, un léger nerf. Ouais, voilà, ça change pas grand-chose. Ouh, le Alistar. On dit qu'il y a eu un petit Veigar en face, on n'a pas envie d'un champion trop facile à jouer comme ça. C'est pas son gros main. De toute façon, je pense pas que le Banisseur soit très intéressant quand tu sais qu'il joue Sett, qu'il joue Panthéon, qu'il joue Tahm Kench. Il a trop de cordes à son arc et je suis pas sûr que ce soit intéressant de le retirer. Tandis que ça retire la Kessa, en effet, ça c'est un très bon ban. Et là, moi, je retirais bien à nouveau soit le Fiddle, soit le Karim de Coxy. C'était des bans intelligents, je trouve. Ah là 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 là, yeah. C'est-à-dire qu'il restera la Sivir. Ils peuvent faire ce pic la Sivir, par contre, pour la pique à Sunfuyant. C'est une possibilité. Ouais, c'est plus fort. Hein. Ça. C'est ça, tu prends un combo, un petit Jhin Panthéon là. Hop. Ouh là là, il laisse la Sivir open, il force pick pas de Jhin. Ils ont pas envie de prioriser l'ADC. Après, ça met Atomic Landi sur un bon gros midlaner qui est là pour prendre du 1v1. Donc il va falloir prendre le jungle qui va avec. Pour essayer de mettre une énorme pression mid jungle. Syndra, c'est fait pour ça. Après, tu veux prendre un Olaf jungle, tu veux prendre un. Qu'est-ce qui est puissant en ce moment? Un Nunu jungle, un Nunu Syndra, c'est un très bon combo. Très simple à mettre en place. Voilà, le Panthéon. Oui, c'est normal, ça doit être Platane. Non, c'est toi qui as marqué sur le chat? C'est qui, l'équipe c'est Arnaud? Je n'ai pas ouvert mon micro depuis tout ce temps. Non, je parle tout seul depuis tout ce temps, à l'enfer. Et on a dit Panthéon Sivir. Ouh, Panthéon 7, alors ça va être un. Sachant que le Panthéon Jungle a été nerf. Ouh, 7 Jungle alors. 7 Jungle, c'est très intéressant. Ou Je... alors, Panthéon peut-être Support au 7 top? Jungle, t'as une prio infernale. Même 7 mid contre Syndra, je pense que ça se joue. En tout cas, du coup, deux champions super early, hein. Ouais, très early, très fort, très. Un peu tu fonces dans le tas, tu vois, facile à jouer. Ouais, Ah. à part moi, tu parlais dans le vide depuis, je parlais dans le vide depuis tout à l'heure, puisque tu ne me répondais pas, mon cher Alexis. Non, Je t'entendais pas. on m'entendait pas.
Okay. Ne m'entendez pas, C'est pour ça que j'ai. j'avais pas de remarque par rapport à ton micro. Et ça repart sur un. Non, mais on a déjà la Syndra, ce serait quoi plutôt un Galio support alors? Parce Galio que support, Ezreal a été peut-être. sécurisé. Du coup, le Oh là Ezreal, là. super mobile pour rester éloigné de ce Panthéon ou de ce set. Enfin, des deux même. Ah, le Après, Vigo. vu qu'on sait Le qu'il y a Vigo. peut-être une potentielle Sivir en face, le Ezreal est pas ouf hein, contre Sivir. Hein. T'as pas la force de push. Ton la Sivir va faire exprès de prendre ton Q pour se donner du mana. Je pense pas que ce soit un pick très intelligent. En tout cas, il fallait pas le prendre tout seul tout de suite. Et surtout si c'est pour jouer avec un Galio, la synergie Ezreal Galio, elle est pas incroyable. Le Jhin Galio aurait été déjà bien plus intéressant. Le Swain. Qu'est-ce que c'est que ça? Swain, ça peut jouer support aussi. Pourquoi ils nous ont Trop de pris trois flex. supports forts? C'est ça. Trop de flex, le Panthéon. Moi, j'aurais quand même Panthéon 7, Swain mid et 7 jungle. Ça serait. 7 jungle, alors. J'aurais dit peut-être Panthéon jungle, 7 support, Swain mid. Non, ça a été nerf, Panthéon. Ça a été nerf, mais bon. C'est pas pour autant que 7 est Ah, meilleur. si, ça. Ah, si, c'est un bien, je regarde. Les 7 tanks, c'est infâme. Meilleur. Surtout avec le Gantlet Givrant maintenant. Oh, les 7 Gantlet Givrant, c'est très fort. Ok, on retire la Tristana et je pense qu'on retire Triss Sivir là-dessus. Il restera Jhin, quoi. Oui. Hop, hop. Mais il y a encore un ban. Ouais, mais tu peux ban que l'un ou que l'autre. Hein. Sivir ou Jhin, tu peux pas ban les deux. D'ailleurs, j'aurais plutôt ban Sivir et Jhin plutôt que la Tristana. Et le Karim qui retire. Voilà, très bon ban à Karim Shen, là, c'est très intelligent. Peut-être qu'ils Sur le cherchent à coup. forcer un. Ils vont peut-être chercher à forcer un des deux picks avec parce qu'ils ont un counter secret auquel nous n'aurions pas pensé. Ça. Je ne sais pas justement. Et par Vois. exemple, non. Ok, il laisse le choix. Quand tu gaspilles 3 bans pour au final laisser deux champions comme Jhin et Sivir, c'est pas très malin, je trouve. Hein. Hop. Hélas. Ah. La Sivir de Sandfimian qui va vouloir soigner ses stats une nouvelle fois. Puis qui va jouer avec un support agressif, hein, parce que soit. Qu'on ait l'un des trois supports, c'est trois supports agressifs. En tout cas, ça flex ultra fort du côté de Dolteux, comme tu l'as dit. Voilà. Et donc en face, qu'est-ce qu'on veut répondre? On a déjà montré la Syndra mid. On sait pas trop quoi pick parce qu'il y a du full flex en face. Oh, le Sion, très bon choix. Sion, pareil, avec le Gantlet Givrant, c'est un très, très gros pick, je pense, en ce moment. En effet, Reckless, comme nous le dit Platane. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu nouvelle vidéo du LEC, ils ont sorti une J'adore. vidéo, une musique exprès pour Reckless, 3 minutes, elle est exceptionnelle, je vous conseille d'aller la voir. Et le Zac de Zonulus, le dernier Zac qu'on a vu dans cette liste, c'était celui d'Aderf, et il n'avait pas très bien marché. Euh, Non, on espère que non, Novar, que Coxy joue mieux. non. Ça reste à Ouais, voir. il va repasser devant moi, Sandfino, d'ailleurs, j'ai été regarder dans les stats là. Il est devant moi, c'est un film, hein. Il y a 16,6 minutes. Petit bâtard. Ah, Hop, cette hop, petite hop. obsession là. Alors là, donc Ouf. Talia Est-ce... jungle. Talia Ouais, Tile jungle. Jungle, moi j'irai. Oh là, mais ça peut flex de partout. Alors, du coup, c'est le Swain 7. mid, la Talia Jungle, Panthéon support, Et le soin et le 7 set top. top. Ok. Oh, ça flex de l'infini, là. Très bien joué de leur part. Et on connaît le combo, hein. Talia Panthéon, très facile à faire. Un Panthéon stun, Talia met le ricochet. Pareil avec Swain, ça marche. Donc j'adore la draft de la part de Docteur qui a été très bien pensée. Et surtout, Après, il y a. Ouais, une vas-y. très très grande mobilité sur la carte du coup. Hein. Voilà, c'est ça. Jungle support, très très bonne synergie. Il aurait manqué juste un petit TF au mid et là, ça aurait été incroyable. J'avoue. Et Je pense même que le TF mid aurait été plus intéressant. Après, c'est mieux d'avoir piqué un Swain quand tu sais que tu as un Zac et une Syndra en face. C'est beaucoup plus tanky, beaucoup plus. plus tanky, oui. Mais Moins de mobilité, ça court moins vite. Hein. On sait que le TF, ça court à une vitesse Les CC, ahurissante. le CC de TF aurait été très intéressant pour choper hein, cet Ezreal et le forcer à Arcane Shift. Pareil Mais sur Syndra aussi. Hein. Syndra là, ça serait carrément forcer le kill sur elle et le commit. Puis, vu qu'elle n'a pas d'escape autre que son flash.
Sinon, Je sais pas trop quand. elle a un outil de disengage avec son scatter de rythme, mais c'est tout. Alors, du coup. Mais c'est vrai que par contre, il va falloir que Dolto soit devant, hein, parce que s'ils n'arrivent pas à passer ce Sion Zac Gallo, ça va être très très compliqué. Hein. Parce que Sion Zac Gallo, même si c'est des tanks, quand ils arrivent au corps à corps, ils tabassent. Hein. Tac tac Mais tac. avec la capacité de. Avec le spell shield de Sivir, son ultime, elle devrait quand même être assez safe et assez lou et pouvoir se tenir à distance hein, de ce Sion qui n'a pas de gap closer. Galio, lui, il devra probablement rester à pile un de ses carries. Oh, je suis pas peur, hein. Tu vois, tu lances le zap dedans, un ulti Gaillot par-dessus, le Sion qui arrive derrière. Parce que. Ça peut aller très très vite, hein. Ça peut aller très très vite, mais avec des tanks pareils, justement, il y a Sett qui va pouvoir les ramener dans Ouais, la c'est vrai. backline avec un bon positionnement. D'ailleurs, est-ce que le E Syndra cancel le R2-7? Non, non, il me semble qu'il est inarrêtable, un peu comme Vi ou Sion, de Ok. toute façon. Et Une petite tac tac interaction, tac tac. Sion, Sett, je demande ce que ça donne aussi, au niveau des ultimes. Et Sivir, son spell shield, il empêche quand le R Syndra va sur Sivir, tu bloques une boule, tu bloques. Oui, une seule boule. Oui, ok. Va falloir un Zhonya pour cette Sivir. Zhonya. Un Phantom Dancer, ça pourrait être bien aussi. Ah, le fantôme de destin va être très très bon. Je pense que c'est le meilleur, t'as raison, je pense que c'est même mieux. Ou même avec le buff ce patch de l'arc bouclier. Ah, bouclier a été buff? Non, Si, non, non, non. plus 5 AD. Plus de d'attaque speed, je crois. Un buff de Ok. 5 et Alors 5%. vas-y, toi, un petit prono, mon cher Alexis. Petit prono. Avec une compo pareille, je ne peux que donner à Dolto de vainqueur. Ok. Bah moi, je pense que ça va dépendre de l'early. Si Dolto passe devant un early, ils sont quasiment sûrs de gagner. Par contre, s'il y a 20 minutes de jeu, l'égalité au God, elle est identique. Je vois pas Dolto passer à travers ce Zac Ezreal, ce Zac Sion. Ben... C'est trop facile de venir mettre la Discord en teamfight avec Zac et Sion. Et je suis pas sûr qu'ils aient les dégâts pour venir à bout de deux tanks s'ils sont pas devant. Tac tac tac. Au niveau des runes, rien d'exceptionnel. Hein. Moisson Noir Taya, Gaillou Aftershock, Conqueror Ezreal, Aftershock Zac, Sion Point de l'Immortel. Non, rien, Ouais, non, rien. si, Panthéon, Là, peut-être l'électrocute 13 sur... d'attaque. Peut-être l'électrocute sur Syndra qui. Enfin. C'est pas choquant. Mais Peut-être si sur Swain, j'aurais peut-être pris un rush phasique pour être Rush toujours en phasique. contact. Vrai. Bah justement, peut-être j'aurais peut-être aussi pris un rush phasique avec Syndra pour pouvoir en cas de gank de la Thalia, pouvoir peut-être sidestep sans avoir nécessairement utilisé son flash. D'accord. Bah à mon avis, il est là pour Novart, il est là pour détruire son adversaire. Il est parti Ignite contre une TP, il électrocute. Zac va sûrement full gank Kiomi, donc Destructeur Connard a intérêt d'être safe ou à demander l'aide de son jungle. D'ailleurs, Sachant que je pense que Syndra Zac gagne hard contre Taliyah Nova et Art, Yasuo, surtout par la présence de cet Ignite. Qu'est-ce qu'il y a? Nova Art, il me semble qu'il fait partie des peut-être 200 meilleurs Syndra EU West d'après mes souvenirs, d'après une game, d'après des informations que j'ai pu récupérer au cours d'une game, En interne. voilà. Ok. Et puis du coup, Nova Art qui a. Tac-tac-tac, Nova Art et Grippin qu'on flex là. C'était pas Oui. Grippin qui jouait Galio au mid la dernière fois? Si, ils ont échangé leur rôle au sein de l'équipe. Ça a été discuté. Ils ont dû faire des essais aussi. Alors, du coup, les deux équipes hein, qui jouent en parallèle, pas d'invade prévu. Thalia, très très Non, ouais, kick, la plutôt late. Toxique a fait. Toxique. Non, elle est pas late, elle a mis la Ah oui, trinket pour elle aller a mis la chercher trinket. sa red trinket. Et Pardon. bien joué de sa part, comme ça elle est en avance. Ça permet de pas oublier le red trinket au milieu de la partie. Hop. Et de faire à chaque back. Oh merde, j'ai encore oublié ma trinket.
On connaît ça en tant que jungler. Tac, 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 voilà. Sakyo qui ping l'embrasement, l'ignite de cette Syndra tout de suite pour dire à un destructeur connaître je safe. Et aussi pour dire, on va jouer au mid avec cette Talia, probablement. On voit Zac qui part sur ses loups, qui se fait pas pull, alors que Coxy aura un pull tout à son honneur avec Panthéon et Sylvien. Bah, c'est Donc vrai que... ça va jouer en croisée hein, de la part des deux jungles, il n'y aura pas de confrontation en Carapateur normalement. À moins que Zac ne tente le gank direct après avoir clear sa jungle topside. C'est... Ce qui est une possibilité en effet. Mais bon, avec un 7, je sais pas si c'est... Si c'est vraiment une bonne chose, il a des bonnes... Et alors, on a le Panthéon qui va stun En quête de cette bonne Ezreal. agression, spell stun into Q spell de Sivir, ça a été travaillé ça. Travailler le prise d'attaque qui a été forcé. De plus, cette Ezreal qui n'a que très très peu de points de vie avec sa arme de la déesse. Après, il a deux potions du coup. Deux potions en effet. Mais du coup. Ah, il perd l'XP d'un sbire. Ouh là là, moi ce que je vois c'est. C'est Des... Sanfignon qui a raté deux creeps, hein, Sanfignon qui a 10 sur 12. Il va pas pouvoir tenir sa réputation de 11, des joueurs en 16 minutes. C'est le début de partie. Attends, dès qu'il aura son Oh carcan là, pendant qu'un zénithien. Zeralit qui prend l'agression. Oh oui, le bouclier de vision. Ah, et malheureusement, ce set qui mettra son Z trop tard, en reporté, du coup, long cooldown. Hop, hop, hop. Oh là là, par contre, en jungle, t'as vu l'avance de cette Talia qui a un camp d'avance qui est déjà en train d'entamer son raid. Oui, tandis que le Zac, lui, je suis juste en train de faire. C'est comme un... Ah, on a déjà une décale hein, de ce Ouais, Panthéon. Panthéon qui vient ward le Karab, qui vient essayer de chercher ce Zac qui se serait scellé. Non, il vient gank cette Syndra. Au top, on a une solo Au kill. top, le solo kill! On a le solo kill avec le flash, avec ensuite cette Sivir qui est toute seule. Qui est toute seule, mais bon, pas de problème pour le farm, je pense. Et du C'est dommage coup. hein, parce qu'il avait encore une potion grippin, donc il aurait pu faire en sorte de mieux jouer. Puis il y a encore son flash aussi, surtout. Nova, ouais. Oui, grippin, pardon. Oh là. Et du coup, qu'est-ce qu'on a? On a du coup une dague et une épée longue contre des. Très bien. Ouais, du Ça va être coup, compliqué hein, pour des ce stats de pion combat. maintenant. Hein. Des sacrés stats de combat. La Talia qui va passer par derrière mais qui est repérée par une ward. Le Galio qui va Yeah. tancher sa charge Oh héroïque là va provoquer. Mais c'est Talia qui va faire rebondir là. ce Ok, bien Galio, le joué. stun. Zac arrive derrière mais qui rate son stun. Oh là là, ça touche 0 sort de la part Sanfuno qui a failli avoir de hein. Dozen Walls. Qui a Je failli. pense que Datenvie est mort. Voilà. Panthéon qui récupère le double buff d'ailleurs. Mais voilà, ils ont rien touché, Zone Wolf là-dessus. Le Zac qui a tâché dans le vide. Ils ont raté plein de Q spells de la part de Sezri. C'est dommage, hein. Ça compte beaucoup, hein, parce que donner double buff à ce Panthéon qui déjà mettait du rythme. Après, il y a encore un Ignite sur Galio et un Flash sur Ezreal contre plus de menaces sur la bataille en face. Donc là, il va falloir que Zac revienne rapidement sur son niveau 6, je pense. Alors, Tac. après il a beaucoup de retard au niveau de ses camps. Donc Talia va peut-être pouvoir répondre rapidement et Oh là là, on facilement vient de cette au gank. agression. Il Au top. y a beaucoup de choses à faire pour ce Zac là. Hein. Il peut gank bot, il peut gank top. Il peut même gank mid. On avait dit, on pensait qu'il allait full camp le mid parce qu'avec l'ignite de cette Syndra. Le casse-tête qui ne passe pas. Pas hein, pour ce set, dommage. Il y a beaucoup de sorts qui sont ratés. Hein. C'est vraiment. Et on sent que les équipes sont stressées. Ça se bataille dans tous les sens. Est-ce que cette Talia m'aurait pas sur le corbin? Non. Pas sûr. Et elle va pouvoir back. Elle a pas encore back. On a 5 minutes de jeu. Elle doit avoir beaucoup de gold. En effet, elle a 1400 sur elle. Le set qui va enchaîner hein, les coups sur ce Sion qui. Ah, qui peut pas répondre. Le gant. Oh, voilà. Le On en gant parlait. Est-ce que de soit une Zac. mana pour ulti? Non. Oh là là, très bonne rotation. Très bon Zac de la part de Dark Tony Clonvilla qui a connecté son bump. Très bien joué de sa part. Il faut mettre bien cette Syndra. Il va falloir qu'elle carry, il va falloir qu'elle one shot
civils ou des sets un peu trop avancés. Pareil pour Taya qui est très fragile. Au niveau des CS, assez even, non? Mis à part la Finalement, différence voilà. de au niveau de la jungle. Voilà, cette fois-ci, c'est Akio qui. Là, très Oh, super bien excellent. joué de la part de Greggy Lobos qui a bien attendu. Son Fion qui n'a plus de summoners. Mais l'Ignite Oh. qui est craqué, hein. Ouais, Là, la Talia très bien. qui est là, elle se fait bump, Oh elle ne oui, très bien touchera joué Greggy pas Lobos son qui vient knock-up. d'enchaîner un très bon boom là. Dommage que Zac Voilà, n'était pas par là en contre, défense. Bass qui s'est perdu. Voilà, qui va devoir flash vêtements alors qu'il était safe. Et Sakio qui Oh va snipe non! cette Ezreal là avec sa lance. Syndra qui va décaler va tant toucher le stun mais qui sera bloqué par le spell shield de Sivir. Ça ne mènera à rien de plus. Donc 1 pour 1 pour 0, 0. alors que c'est tellement dommage de la part de. Oh là, attention, stun tout tour? Non? Oh là, quelle version de. Non, mais c'est tellement dommage de la part de Bass qui a pas du tout respecté ce move et qui aura pu tout simplement s'en sortir s'il avait couru dans la bonne direction. Et puis, avec son flash, il Le était set safe. qui a Oh oui, très la bien gros joué. de la tour. Oh là Très. là. Oh, bah, je sais pas si. C'était close hein, comme move. C'est close. Mais du coup, Et encore. le Sion qui, Vas-y. grâce à son passif, va pouvoir récupérer. Hein. Le farm, Voilà, il se les fait pas tant spires. deny que ça. De l'autre côté, il y a la Talia qui va faire ce Drake. Très intéressant pour ce set et ce Panthéon. Voilà. Alors. Sakio qui est au mid avec son niveau 5, est-ce qu'il attend son niveau 6? Est-ce qu'il va gratter l'XP pour avoir son niveau 6? Ok, la griffe de Swain qui va toucher et ult, mais le Ok, flash ça out. force le flash shot. Après, il n'y a plus d'ulti du coup sur Swain. Donc, Zac peut revenir. Il a ce qu'il a pas à prendre. Il a le bleu aussi à donner à Syndra. Pendant Pour ce ce Nova temps. Art, il peut. Oh oui, très bien joué de la part de Nova Art. Très bon farm à ce tour. Une des top Syndra du Voilà. serveur, hein. C'est pas pour rien. Alors, de À l'autre part. côté, Sivir, hein, toujours aussi safe. Toujours aussi facile de farm. Puis là, elle a récupéré son heal, elle a bientôt récupéré son flash. Oh là là, les Ok. dégâts que met ce C'est cette set. station, mais après. Ok, il aura son gant légivant. S'il part toutefois sur le gant légivant. Après, il a ses trois potions de corruption, ça va le faire. Oui. Par contre, Ezreal, faut que tu farmes là. Faut que tu. Que niveau 5. Oh là là, il rate tout. Il rate tout, bah, 2D. c'est pas ta meilleure game. Hein. Ok, le stun. Eh Ah, bien, la Syndra qui ne le Syndra. touchera pas. Oh là 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 là. Et Son tour Sivir raté encore une qui va fois. utiliser son ultime hein, par sécurité. C'est dommage parce que sa queue s'est avancée trop loin. Et là, si Ezreal n'avait pas raté ses sorts juste avant le taunt, il y aurait eu moyen. Pareil, Syndra qui a raté son stun. Ouais, c'est grave. C'est Ezreal qui possède. Qui est dans un espace parallèle, je pense, une dimension parallèle qui touche les Q, mais pas dans notre univers. C'est dommage. Hein. En plus, la caméra est souvent sur lui quand il rate, donc c'est pas à son Pas de honneur. malchance. Oh, la Talia Oh là là! qui Oh, va très bloquer bonne ulti l'ultime. de la part de Coxly. Super, on a vu Sotion qui s'est empalé dans son mur. Ah, il prend Sion pas les sbires. qui Il court peut avec son prendre les passif sbires sous là. sa tour. Il aurait pu tenter de gratter quelques De prendre au CS. moins. Bah c'est ça. Pourquoi? Il a FF. Oh non. Ok. Et du coup, 10 minutes de jeu, deux Zac, postes Zac, bloqués. attends, il a ping son bump, Zac, voilà. Magnifique. Oh là là, il a même pas claqué l'Ignite, Nevart. C'est ça, ils peuvent le faire à la chaîne. Et Zac peut venir bot aussi. Hein. Swain qui a même pas eu le temps de claquer son flash avec tous les C'est CC ça. qu'il s'est pris. Aïe Avec les aïe aïe. claques avant. Du Non, on coup. a un avantage de farm. Oh, le bon suspense de la part de Sanfignon. Sanfignon qui d'ailleurs revient en farm. Hein. Il était even au farm Là. contre ce Ezreal et là il passe 12-16 devant. Ah bah dès qu'il a eu son carquois zénithien, Il ça a a pu fait la rater le coup de diff. sbire. Ça a fait la diff, il a forcé le Ezreal sous tour, et c'est pas si facile, c'est vraiment pas facile de farm en tant que Ezreal sous tour. J'aime bien ce que fait Grady le boss, la bonne Scrocker. Je trouve qu'il fait une très bonne game pour l'instant, malheureusement il n'est pas aidé pour son Il game. n'y a pas de suivi en effet. Hein. Mais
Mais c'est intéressant de savoir que s'il fait aussi des aussi bons focus et des aussi bons moves en Le teamfight avec swing. le Zac, il a si bien. Le swing qui se fait, qui est ping. Au top, on a un échange entre le 7 et le Sion. Ouais, tu vois finalement ce swing qui est en 1-3 qui se fait pas trop marrant. Ok, il force le flash et tu vas réussir à le tuer. Et c'est un flash. Non. Au Ok. bot, on a une Oh, envie de Sakio qui va stun. oh super, super move de la part du Zac. Oh, très Le bon Galio ulti. qui Oh là a là là touché là là là. trois personnes avec son taunt. Hein. Du Non mais coup. Boss qui nous a complètement fait mentir sur ce move qui vient claquer un superbe ulti sur le bump de Zac. Attends, Clumvy qui a super bien attendu aussi. Je sais pas si t'as vu, il a vraiment attendu le dernier moment pour claquer un bon bump, sachant qu'il arrive par derrière, il va arriver sur ce Et swing, sur ce puisque ça va swing, toucher, il est un peu loin. il est Ça va loin, lui il forcer à sort faire sur le le flash tour. out, mais il a le Voilà. Q qui touche. Oh là. Super. Très bien Le joué, le Q. bump, le smite bleu Dommage, pour ce c'est go. un kill qui part sur ce Sion, mais du coup, cette Syndra qui va pouvoir récupérer au moins une plate. À Sur moins ce, je veux que. dire sur Galio. Oui, sur Galio, pardon. Oh là là. Ah, c'est pas grave, Galio il Ah, joue bien, Talia ça qui. lui permettra de rentrer sur son stuff. Talia qui va venir défendre. Est-ce que. Bon. Allez, la basse, là tu peux le tuer, basse, il s'est trop avancé, il a grid, allez, vas-y. Ah non, Oh, oh non, non, voilà, oui, bon, l'interruption qui d'ailleurs, est t'as le hit, t'as prise. le flash, flasher tout de suite. Il a mis un peu de temps avant de flasher, Il a pris son mais ça temps, passe, bien il joué s'en dans sort ce quand polo. même, hein, mais. Il s'en bat les couilles d'esquiver, bon, malheureusement, il va mourir. Et ouais, s'il avait esquivé le Q spell, s'il avait flashé plus tôt, il aurait pu s'en sortir. Dommage, ça a donné le Drake à Coxie. Et une Coxie, d'ailleurs, on interruption. n'en parle pas, mais il joue pas trop mal hein, avec sa Taïa, Il est au bon. 86 de Drake, un Herald. Au bon endroit, il va même donner. Il aura passé cette Herald, deux plates du coup pour lui et la Sivir. La Sivir qui Oh, la s'étonne. Sivir qui a pas pris l'aggro. C'est dommage, il y avait Ah moyen rien. de. Ouais, il a pas d'ignite. Et bon, avec deux coups de tour, c'était kill. Il était pin max range sans fumer là-dessus. Ok, le Zac qui est vu par la pink. Est-ce qu'il va avoir le temps de venir? Je ne pense pas. Il va se faire trianguler là, faut qu'il fasse gaffe. Ouais, au top, il y a deux niveaux d'avance maintenant par contre. Hein. Seulement un kagold d'écart, mais 15-16 d'écart. l'écart top. Mais il y a quasiment deux kagold de top. Oh oui, bon go de la Tony Clumvy qui va reprendre taper la pink. Sur le Hop, Sakio, il voilà. est seul, hein. Il est Il y a seul. encore le Galio. Galio a son ulti, Galio peut venir. Je pense que c'est même le moment. Oh oui, très bonne ulti de la part de Bass. Sakio Oh, qui va super. devoir flash out, hein, et esquiver la boule de Syndra. T'en Un. parlais, hein, le combo Zac Galio Sion est très très embêtant avec la Syndra derrière pour venir mettre un énorme burst. Moi j'aime bien cette compo de la part de Zenwolf, qui pour l'instant mettre à mal. C'est Dolto 2 qui doivent prendre un avantage early plus conséquent que ça. Là, ils ont à peine 700 gold d'avance. Ils ont les deux Drake, Ils avaient 2 mais... minutes d'avance et Oh, ce swing qui se une fait Nova Arc! oblitérer. Large Nova Arc, hein. Il a encore l'Ignite. Il a un peu du jeu Ignite finalement, hein, puisque ça fait deux kills qu'il prend sans l'Ignite. Il aura limite plus joué Exhaust. Exos ou même TP pour la Oh yeah! gestion de wave. C'est ça. Ah, on a un Oui. set hein, qui s'approche de cette mid Ah, lane. elle va se faire trianguler, elle a son Il a un flash. ult. Bien joué, est-ce qu'il a bump? Oh là là. Et il se prend les patates, les CC de la part C'est de ça. ce duo top support Si de j'avais Dolto joué 2. Exhaust, il mourrait. Et du coup, c'est qui récupère tes options? J'ai pas vu. C'est C'est Panthéon. Sakio. Ok. Panthéon qui va pouvoir sûrement compléter hein, son item mythique. Qu'est-ce qu'il Avec va ton faire? double survie. Ouais, il va bientôt pouvoir. Il manque encore quelques golds. 300, 400, je dirais. Hop. Sur quoi est-ce qu'il va partir? Une Dractar? Non, pas une Rakdar, l'éclipse, je dirais. Ou tu sais, l'item qui permet d'avoir un dash, ce serait très fort sur Ah Panthéon, oui, je Crawler's pense. Claw, pourquoi pas? Allez, il faut Exact. dasher tout de suite, Il faut Galio. utiliser lui. Voilà, bien joué. Est-ce que Sylvia a son ultime? Oui, elle l'a. Elle l'a, mais Un c'est peu un peu trop tard. tard. Elle l'a récupéré à l'instant. C'est dommage. Heureusement que Zac n'est pas en counter play parce que là je pense qu'il pouvait turn. Après il a deux niveaux de retard pareil, Atomic Envy. Te fait un peu jungle. Mais c'est un Zac donc il sera toujours utile. Ok. Alors, au top, Oh, on a ouais. la Trinité qui a été Oh, très bien complétée. joué. Ignite? Non, il veut pas mettre Ignite? Pas besoin. Je veux toujours pas. Pas Non, il n'a besoin. pas l'Ignite, il a mis sur sa Q, sur le dunk juste avant.
Ok, bien joué à ton clin de vie, c'est bon, je pense que tu t'en sors. Ultime de Gallio qui protéger Souza qui ne va finalement pas retourner sur cette Talia. Ils vont se concentrer sur cette Thermine. On a cette qui arrive par la river, mais il est repéré, il se fait pinguer. Et Toujours pas force d'ailleurs. D'ailleurs, Sion qui arrive en plein sur 7. sur 7, Voilà, mais mais il est tout il est pas seul. Il suivi. est tout seul, ses teammates sont trop loin. La décale était trop lente. Coup, pas de d'ultition pour le fight Herald. D'ailleurs, le Zac qui part en crossman, qui ont peut-être abandonné cet Herald. Hop. Moi j'aimerais bien voir si les junglers et bah, si le Sion, le combo Sion Zac vont partir sur toujours l'égide solaire, ou est-ce qu'ils vont choisir le coup de poing cryogénique là? Parce que, on rappelle un septième qui a été up tout en baissant son coût, donc très bonne rentabilité de l'objet, surtout sur les persos comme Sion et Zac qui ont besoin d'être gros. On rappelle hein, le passif qui augmente de 100 PV par chaque objet mythique et de 6% la taille par chaque objet mythique. Hein. Donc c'est pile ce qu'on veut sur un Zac et sur un Sion. Objet légendaire. Allez, mais du coup, ce Swain qui est en 0,5. Hein. Un 0,5, il va pas servir à grand chose. Il a pas beaucoup de ressources. Il a à peine sans cesse. Ah, on a un dash de Galio. Il va toucher son taunt. 7 qui va flash in pour attraper ce SV. Il va utiliser. Il va utiliser ce Zac pour pouvoir s'en sortir avec son ultime. Et il survit à ce 1v3. Ouais, Pendant que de très l'autre bien joué côté de la de part alors que de l'autre côté de la de carte, on a du coup l'Herald qui est fait par Talia. Ouais, Herald et First Lover qui vient d'être prise à 17 minutes de jeu, hein. C'est une game un peu lente. Mais bah, on a beaucoup de kills, mais très peu de pression prise sur la map. Après, il faut dire les supports délivrent bien. On a déjà 44 de vision sur notre cher Sakura. Sivir qui vient de compléter hein, son tueur de Kraken à temps pour ce fight au dragon contre un Sion, un Ezreal Galio et un Zac. a aussi, hein. Bon, attention, on a Vart qui vient forcer, qui prend le flash, qui prend le kill en plus. Malheureusement, Galio est déjà en train de fight. Oh, très bon outil de la part de ce Zac qui vient profiter de l'ulti Ezreal pour mettre des dégâts. Oh là là, triplé de la part de Novart qui vient de prendre 600 gold d'interruption. Le flash de Talia qui est forcé. Et très bon team fight de la part de Zone Wolves qui recolle au gold et qui vont pouvoir jouer ce Drake. Ok, est-ce que. Oh là là, il va mourir. Il va Il se mourir. fait one shot. Oh là là, il s'est pas fait suivre par sa team. Et Koxy qui est en train de défendre ce Drake 1v3. 1v3, il y a la civière Sachant que derrière, hein, mais qu'est-ce qu'elle va bien pouvoir le ult est apporter? forcé de la part d'Ezreal. Je pense que. Le Oh là flash out là là là. de Sion. Quel travail de la part de Coxy! Attention, sans le finir, il faut faire attention. Ouais. Et il se Oui, fera bien joué, Bass qui sniper. vient de sortir le move. Oh non, Sakyo c'est toi! qui vole le dragon à l'ultime. Sakyo qui vole le Drake alors qu'il y a deux junglers à l'ulti. Et bah, est-ce que c'est pas un Nashor tout de suite? Non, 40 secondes avant Nashor. Ils ont perdu ce troisième Rex'en'Roll, ça fait très mal au moral, ça. Oh En là même temps, là. ils ont un peu trollé un Novar qui est venu se donner et qui n'a pas été suivi par son Sion, alors que s'il avait été à deux, tout simplement, À deux, ils ou auraient alors pu même tuer. s'ils avaient juste focus ce dragon, Ouais, ça, il n'y ils aurait en pas de seraient pas soucis. à cette soul point. Ils auraient pu Oh oui, juste eu à attention, Novar, tu Junior. viens. Oh là Novart là, qui. oh oui, très bon taunt. Très bon taunt de la part de Bass. Oh non, Voilà, le set qui ne c'est raté touchera pas son knock-up. le Hein. passage qui est raté de la part de Lazarevitch. Oh oui, l'ulti qui vient sauver. Oh, très bon ulti de Bass encore une fois. Bass, par contre, il met des ultis godlike. Oh, Destructeur Konoha qui a une chatte pas possible de HP. Après, la soul qui vient le régène de quelques HP. Très bien joué encore une fois. Moi, je trouve que les deux joueurs qui font une grosse game là de la part de Zone Wolves, c'est vraiment Bosscracker et Nova. NovaArt qui tiennent la baraque. Qui ont encore une fois montré sur ce move l'étendue de leur talent. Et ils prennent quoi? Une interruption? Voilà, il prend Novart, il prend 150 gold supplémentaires sur Sakyo. Du coup, Ezreal Et qui a complété son deuxième item, son pourfendeur divin, très gros spike. Je sais pas s'il avait sa mana mune déjà avant. si, Il l'avait il est déjà. déjà complété au Drake. Donc D'accord. sa meilleure mana est bien transformée depuis quelques minutes déjà. Ok, Sivir Et qui Novart elle. a pris un. Attends, je te coupe juste pour dire que Novart Vas-y. a pris quand même un Zhonya, donc un chronomètre. Un très bon choix de sa part qui va pouvoir être cette fois-ci safe face au mouvement très offensif de Azerite. Vas-y, je te redonne la parole.
Du coup, Sivir qui avait pas mal d'avance, mais qui se retrouve maintenant avec juste. Enfin, pas mal d'avance. Qui avait quand même un sacré. Avec son farm, une petite avance tout de même, mais qui n'a toujours pas fini son. Sa faux spectrale pendant ce temps au top. Du coup, ils prennent un kill à Oh deux. oui, très bon beurre sur Coxy. Azalit qui se retrouve au milieu de tout le monde, qui va devoir Sonia. Voilà, le chronomètre. Et bah c'est 2 kills récupérés pour un en cross-map. Oh, le bump de ce Zac, on avait dit, ce bump qui sera utile quoi qu'il arrive. Et un Et troisième kill, un troisième, un 3 3 kills pour 1, tout un mais il Konoha est qui nous sort le 0-7. une T2 hein, qui est prise par Si jamais il y a des filles célibataires, n'oubliez pas que le Destructeur Konoha vient de nous donner son meilleur 0-7. Après son 0-6, il a changé de numéro. Excellent. Ouais. Ezreal qui va prendre la 7T1 au bot. Il ne reste plus que 7T1 top pour vraiment ouvrir la carte. Enfin, quoique elle est déjà pas mal ouverte avec la T1 mid qui a été prise. Mais ça, il y a encore le bas. Il y a le baron qui est pas maintenant. Il va falloir le défendre. Voilà. Moi, je pense que là, Dolto a un petit coup de pari à faire. Il laisse ce quatrième drake parce que de toute façon, ils ont encore 3 drakes d'avance. Et ils vont prendre un Baron Nashor pour tout de suite récupérer des objectifs et ouvrir la map. Donc, ils n'ont pas besoin de défendre ce drake. Ils peuvent se dire, hop, on prend Nashor, derrière, on enchaîne, on push. De toute façon, il faut qu'on finisse la game tôt. Donc, let's go. Ça peut être un moyen, pour moi, le meilleur moyen, le plus intelligent d'assurer la game, tu vois. Ouais. Tu prends Nashor. Tu fais un fast Nashor pendant que les autres font break. Derrière, tu pushes, tu prends toute la map et comme ça, tu récupères le drake d'après plus facilement. Et comme ça, t'as ta soul et tu finis la game en 30 minutes de jeu au lieu de tenter un 50-50 sur un break. Parce qu'on rappelle, hein, le Vahart qui est très très gros là, il a plus à prendre les mains, donc il n'aura pas de Zhonya pour ce teamfight. Mais il peut one shot du set, il peut one shot de n'importe qui en face. Hein. Il n'y a que le Panthéon, je pense, qui peut s'en sortir avec sa protection. D'ailleurs, Destructeur Konoha qui n'a pas encore son item mythique. Non. C'est très dur ça. Oui. Ah, Ouais, ouh, la oui, le Syrah bon combo! qui Oh, il a catch bien joué, hein. cette Je pense que Thalia là, et l'ultime tout le monde qui va va. faire de la part de. Et c'est un solo C'était. kill, hein. Ouais, c'est solo kill. Hein. En plus, il a encore son Ignite. Ils vont pouvoir récupérer cette soul. Tu vois, là, autant ils ont tenté un move qui va leur coûter très cher, alors qu'ils avaient un free Nashor, je pense. Ok, Atomic Clan V qui peut y aller. Hein, là. Ils ont vu le Swain au top. Ok. Le 7 qui est derrière. Alors, le Ezreal est trop loin. Il va le Dommage que chercher. le Ezreal soit si loin et qu'ils viennent pas jouer. Hop, hop, drive dans 24 secondes. Swain vraiment trop derrière. Hein. Il va Après, servir Swain, à c'est rien. un bon pick quand t'es derrière. Si, si, parce qu'il va tanker quoi qu'il arrive. On attend qu'il. Oh oui, encore une fois. Les dégâts de Nova Art. Après, Atomic, Azerite à 7 TP. Non, il prend faire prendre des fruits. Faire gaffe, hein, parce que Nova Art, il récupère son outil dans une vingtaine de secondes. On a la Ok, TP la de TP. Sion pour Voilà, soutenir très bien joué. Sylvie. Et Le Destructeur Konoha qui va être par tard. Voilà, il décide de back, mais c'est ils déjà vont pas trop fight, tard. ils vont pas fight. Du Voilà. coup, ils vont juste. Ils Et vont pendant ce temps-là, qui est-ce procéder. qu'on a? Sanfignon qui rattrape le 17 minutes, 235 CS en 24 minutes, très bien joué de sa part. Il faut qu'il farm, parce que cette fois-ci, il n'a pas les kills en plus, donc il n'a pas d'avance. D'ailleurs, on le voit au niveau du stuff, il est even avec ce Ezreal. Ivan, en effet. Oh, le Là. gold aussi, je... Alors, que se passe-t-il sur la carte en ce moment? Beaucoup de wards bot side hein, de la part de l'équipe bleue. Va vraiment falloir dépasser la vision autour de ce baron. C'est tout. Ah, donc du coup, Sakyo qui est bien parti sur une éclipse, comme tu avais Voilà. dit. Par contre, j'avais annoncé les 2 points cryo, personne m'a écouté. Hein. Zac et le Sion, ils ont peut-être pas vu de patch. Hein. Ok, ils font plus de dommages, mais avec Sion, c'est pas ce que tu veux. De toute façon, tes dommages, là, t'as un Azri qui est très crack dans la game et un Syndra qui est complètement godlike. Donc, ils auraient pu partir sur le cryo pour être bien plus gros et mettre des CC sur les zones plus larges. Et. Je pense pas que ce soit le meilleur. Oh oui, ok. Ce que j'aurais fait Oh. avec Sivir, c'est tout de suite partir sur mon item de pénétration, hein. Parce qu'avec la Ouais, bah. Ouais, tankiness là, de en troisième Sion, item, je suis d'accord. ouais. Je Plutôt que suis de d'accord partir sur qu'elle aurait Lio. dû prendre le Parce que en face, c'est des sacs à viande. Tout simplement.
elle va pas avoir facilement accès à cette île et à ces tindras. Ah, après, Sylvia, c'est un ADC qui, quand il tape les tanks, tape les carry qui sont derrière. Ah, attention à ce Zac qui à ce panthéon qui a été repéré dans la jungle, Zac qui va préparer mais Ils ont ne peur, hein. ouais. Les joueurs ward intensément, ils ont un tâton, ils ont peur du langage de Sion ou d'un combo de. Voilà, regarde, on a vu. Var qui prépare ses bouboules, qui force le shield. Alors, On a Var qui a son Zhonya transformé cette fois-ci, et qui va être encore plus dur à venir chercher maintenant. Zac qui est tout seul, hein, qui push. Aucune vision, on n'a aucune ward de la part de Zone Walls du côté de ce baron. Ouais, j'espère tellement que Nova Art sait ce qu'il faut prendre comme prochain item. Là, faut prendre l'item de Penny. Il y a zéro tank en face, il y a très très peu de ramiers, juste des mercures. Oui. Faut retarder son Rabadon et faire un Void Staff. Hein. Le Void Staff, comme si vous suivez Skyheart, il vous l'a dit, vous le savez, mais les items de Penny, c'est fort contre les Squishy. persos qui n'ont pas de RN. C'est plus fort contre les sushis que contre les tanks. Donc là, il y a zéro RN. Faut qu'ils prennent le Void Staff. En tout cas, au moins le demi-item de Void Staff. Oui, c'est vrai que ça qu'il y a maintenant un item de péné magique. Voilà, qui Je l'avais coûte que complètement oublié. 1200, qui coûte autant qu'une grosse baguette, mais qui va faire beaucoup plus de dommages que s'il prenait une grosse baguette. Ok, tu as son personnel pour full move. Galio qui est tanky, hein. Galio qui est aussi parti sur une égide solaire, donc on n'a pas trop. Un Shurion était peut-être mieux, mais en tout cas, on a trois tanks qui sont très très imposants. D'ailleurs, pareil, hein, Galio, pourquoi il n'est pas parti sur le point cryogénique? Ah, C'est bien là qui va compris, ult. Otto. Sakyo qui va flash in sur cette Syndra. Préfère au flash out. Il est Qui out. repousse Sakyo. Il est Ok, out. bonne ulti de base encore une fois. Oh là là, la base qui a dash in un peu trop loin. Qui forme, qui heal, mais qui est un peu trop tard. Ok. Oh là là, Zac qui va mourir. Sion qui n'a pas de TP. Il n'a pas TP, Oh ce là là, et Kumba puis là, c'est en un 4v4. smash, hein. Ils viennent de tuer une jungle. Mais Syndra qui là, il faut life, que. elle peut pas trop. Il faut que Bass vienne et poke. Voilà. Bah, s'il faut qu'il vienne toucher, Il y a des la Syndra smokes. derrière pour accompagner l'équipe et Oh, toute l'équipe il est très Elo. bon. Flash in 2. Ok, très C'est-à-dire. bien joué de la part de Nova. Pour le moment, il va se faire. Il va se... Voilà, il Il va prend avoir le le, te... kill. il va avoir le temps d'ulti cette Voilà. Sivir. Oh, Double malheureusement, interrupt. le Sylvain qui est trop loin là. Ezreal, Nova Art. Non, non, toujours pas Nova Art. Nova Art, Bah. Bass qui est trop loin. C'est Et. quand même un achat, hein, je pense. Hein. Même sans la Sivir. Non, 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 ok, il non. cancel. Ok, bien joué de la part de Nova Art. Après, même s'il prend, il donne une interruption, il vient empêcher ce achat. Il y a le dragon Du du coup, coup je qui pas va être joué Pas qui va être combien de joué temps? du coup. 25 secondes. Il y aura la TP sur Sion et la Syndra va juste rip-hop. On n'aura plus de passif sur Zac. Zac d'ailleurs qui est parti sur deux items d'RM. C'est pas forcément l'RM que j'aurais priorisé, sachant que le soin au fond, j'aurais plutôt pris. C'est J'aurais vrai. pas fini le vote ça, je pense. Hop, Là, hop, hop. Talia qui est quand même encore assez loin, elle n'a pas encore son ulti pour commencer Voilà, le dragon il y a ulti. aussi un Syndra, quand Syndra sera là. Et Syndra, du coup, qui part sur Morello, qui part pas sur le Void Staff. Il y a quoi comme ça? Ah, Morello, parce que. les soins du Swain peut-être. C'est. Ah là, Morello, la botte il RK de Sett, mais je pense que c'est tout. Moi, Hein. je pense que le Void Staff aurait été mieux quand même. Hein. Oui. Le Zac qui va engage, il va Bon, sauter. ça, il n'a rien à foutre, malheureusement. Il Derrière va on mourir. Il du va team mourir du avant même de pouvoir se battre. C'est ulti Galio qui ne touche personne. pendant ce Ok, Nova Art. Oh oui, le bon grippin. Oh Azerli là qui va là attraper là là. de leur côté il y a Talia et Sivir qui ont tué un Ezreal C'est un Ezreal magnifique qui revient au kill, 21 kills à 21, mais ça sera la Soul du coup, ouais. sous l'océan. Et cette fois-ci, on comprend l'ordre de l'idée. Le moment qui a la Soul. L'océan. Voilà, et à moi ce Sion 1-7 qui va venir détruire ce Galio tank. J'espère bien. Avec un Liandry. C'est pas lâche là, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent leur buff, voilà, ça ping le Nash. Ils prennent leur Franchement. temps, ils savent qu'ils ont du temps sur les cibles. Peut-être Sur pas tant que la ça. cible Hein. La civière qui va du coup prendre la T2 mid. Swain, lui, va pouvoir push. Non, il veut. Si, voilà, je me disais. Pendant que son équipe est top, lui, il va essayer d'attirer l'attention au bot ou tenter de prendre cette
T'es demi, bot. Et c'est Syndra qui va à sa rencontre. Aïe 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 aïe. Le main carry qui sera pas là pour Voilà, accompagner je et pense que défendre. Zinovar, on abandonne la charge, mais on va chercher un kill. Malheureusement, je pense pas qu'il arrivera à choper. Ou alors ils savent pas qu'ils le font. Il a. Oh, si, sans doute, je pense. Tac, tac, tac. Alors, j'ai pas vu raison qu'il était parti sur Danse de la Mort. Tac, tac, tac. Alors, plutôt, moi, j'adore l'item sur Ezreal, l'item à 3400 là, qui permet de se sur les Q-spells. Qui permet. Ah oui, le Cyrilda. Voilà, c'est Rinda qui est un Qui donne en item plus qui fait de la pénétration. de la peine, voilà, c'est Rinda, c'est vraiment un item à faire. Hein. Sur Ezreal, tu fais Serilda et puis une petite Hydrovoras pour taper en AOE, et tu slow en AOE sur l'ulti, c'est. Cyrilda qui donne CDR, pénétration, du CC. C'est incroyable. C'est ça. Je suis d'accord. Et c'est pour ça que j'aime pas trop Danse de la Mort. Hein. Ok, Coxy qui vient encore shipper des sbires à son adversaire. Donc niveau 16 à niveau 14 de niveau d'écart toujours. Sanfino Un qui. kill d'écart, mais 8 kills, mais 8 kills d'ailleurs. Plus une âme, donc là ça va être très dur. Sanfino 320. 320 CS, les 10 par minute, on y est. Ouais, et d'ailleurs, je pense qu'à cette game, il va passer premier au stade de la Lake en termes de farm par minute, puisqu'il était juste 0-1 derrière Toski. Mais Donc là, il va bien le doubler. Nova Heart, ouais, qui est un peu Nova. mal placé, il va pas Il est son flash stun. encore. Il va stun Oh là cet là, très Alia. bien joué. Voilà, il est en train de les outplay. Il est en train de les outplay, très bien joué. Est-ce qu'ils vont réussir à le taunt? Ok, ils vont prendre le kill. De toute Lesonia. façon, c'était pas celui, ils ont tenté un move sans le set là. Et bah, Sans 7, super. sans Hein, Sivir. Ils ont tenté un d'ailleurs. dive avec 3 tanks. C'est ça, et puis Zac et Gaillou qui peuvent arriver à tout moment, donc c'est pas très malin. Et on notera qu'il y avait une interruption sur ce Sion qui était en 1-7, en 2-7, pardon. Ah, dommage, le petit Sion qui est pas très bon là. Ce qui va permettre à ce stade de se reposer. Ok, les CC qui sont un peu superposés. Ils n'ont pas d'ulti pour venir. Il n'y a pas d'ulti Syndra. L'ignite qui a été claqué. Mais la Ok, tankiness, la c'est. régène, La tankiness, c'est bon, ça il va va être. juste faire perdre un peu de temps, mais donner Voilà. quand même Et 600 ils de ont value. du temps. En fait, ça va pas être la même. Là, il était tout seul à focus. Il va être totalement différent. Puis maintenant, cette Syndra qui n'a plus de pénétration, qui n'a pas de pénétration. Et qui n'a pas la place sur la pénétration en son mur, puisqu'à mon avis, elle va devoir partir sur un Rabadon au dernier item. Et du coup, elle va pas pouvoir venir à bout de ce Void Staff Est-ce qu'elle assez pourrait pas du désastreux. coup remplacer sa concentration lointaine par Ah non, non, concentration lointaine, c'est un très bon item. Hein. très bon item, Depuis mais avec ça, avec la portée quand même assez limitée de Syndra, je sais pas si c'est aussi intéressant que par exemple sur un c'est Xerath pas. ou un Non, mais en fait, Azir. ça marche sur les persos qui sont stun. Ça Ah, marche sur son sur les E. stuns, d'accord. Ok, je pensais qu'il y avait que la distance. Non, non, Je non, ça connais pas marche l'item. sur les immobilisations. Vu que ça D'accord. immobilise son Oui. stun, bah du coup ça permet de faire plus de dégâts dessus. D'ailleurs, on regarde, elle a déjà infligé 1000 dégâts supplémentaires grâce à ça. Donc, un item qui donne 115 d'AP et des dégâts supplémentaires, c'est complètement valable, valuable. Après, le Morello du coup est très bon vu qu'il y a la soul en face. Donc, il va falloir venir à bout de ce set autrement. Ok, le Ezreal qui commence à prendre l'item de péné, donc est-ce qu'il va prendre l'item de péné anti-sustain ou est-ce qu'il va prendre l'item de péné slow? Ok, ils peuvent toujours y aller, hein, il n'y a qu'une TP en face, hein, ils peuvent rechercher Il y a ce. plus de péné anti-sustain. Ah, ça a été nerf? Non, ça a été remplacé du coup. Le Last Whisper se combine soit avec du crit, soit avec justement le CC dont tu parlais. Ok. Sinon, Il me le. semblait qu'il y avait un item qui faisait pénétration plus anti-sustain plus Le critique. one shot Oh oui, de cette le one shot. Talia. Talia qui s'est fait 90% de dégâts par Nova Heart. Tu vois, là, je pense que la concentration de l'item, voilà, elle a augmenté. Ça a permis d'infliger 200 dégâts supplémentaires. Et Gaillou qui a pu récupérer son petit kill au Q-spell. D'ailleurs, Gaillou qui part sur un Sonia en deuxième item après son Aegis solaire. Il y a un chronomètre. Et l'Elder, hein. Maintenant ils vont jouer l'Elder. Talia qui sera revenu à temps. Très bien. 700 gold à prendre sur cette Sivir J'aime bien ce qui est full qu'on il build. rattrape comme ça. Full build Il la rattrape Talia. à 3, il n'y a pas de vision. Ouais, c'est bien rattrapé au ferme. Ok, la pink est très bonne. Non, fallait pas mettre cette ward. C'est dommage, j'avais un kill à prendre là-dessus. Et ils vont aller chercher ce Swain qui doit battre, qui doit même TP, je pense. Il faut TP là. Oh Hein. non, TP sur il grise. Il Voilà. s'approche même du bush.
Et En plus, il y a les cris, pas de bol pour lui. Je pense que c'est un kill, hein. Ok. Ok, pas du petit claqué par Syndrael, encore son Si petit. Sivir qui a utilisé son ultime, elle le récupérera pas à temps pour ce dragon. Un Destructeur Scona qui hint un peu, qui avait fait un bon comeback en venant La sur, enfin, Syndra qui sur va son toucher Syndrael. son stun sur la. Oh là 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 là, Gravity le boss Brain Cracker qui rate un peu son engage là. Sion Ok, guerrière qui si on va t'arrive en ultime, tank, Sion Finon qui est tout seul, il va se c'est faire pas stun, mal, il c'est doit pas mal flash le out. force qui est force. Voilà, le flash qui est forcé. Très bon counter de la part de Coxy. Azerali qui arrive au cac, est-ce qu'il va pouvoir mettre ses dégâts bruts en zone, magnifique. Les dégâts, oh là là, les bons dégâts de Nova Art qui vient forcer le Zonite aussi. Sans Cependant, Finon qui est en free DPS, hein. Les voilà, ricochets, le Azerali big va falloir qu'il boomerang, Ezreal qui va dash out, mais se fera suivre par les ricochets. non, Triplé c'est pour un Sivir. 3-3, Pendant ce temps, 3-3. on a Azerali qui va bloquer le Oh là. chemin à cette Syndra et à ce Zac. L'ATP de Destructeur Konoha, le Swain. La Syndra qui est obligée Salut, de Zhonya et qui va se prendre du coup tous les sorts possibles pendant on ce temps. rappelle hein, ce set qui était en plein milieu du teamfight, qui était normalement 1v4 et qui finit teamfight full life. C'est dommage, c'est dommage. Il y avait moyen Et maintenant il faut de mieux jouer le faire. baron. Il faut jouer le baron que fait Sivir. Vrai. À moins qu'il pense finir la game avant. Non, ok. Il lançait juste le push avec Talia. Ils vont initier ce baron. Pendant ce temps, Sett va continuer à taper cette T3 au mid. Zac qui va l'empêcher. Il va se prendre 2, 3 CC. Mais il va Je répondre pense avec. que le set est détruit là avec l'âme. Hein. Voilà. Allez. Ok, les champs qui arrivent. Et c'est le baron. Le truc, c'est qu'ils n'ont pas dans ce système les trois, donc jamais ils viendront à bout de ce soin. Ce set. Set qui est même pas full self, il a que 3 items ennemis. Il a 1v4 au teamfight avant, je trouve ça complètement abusé. Qui nous dit cette qui nous dit la game de l'enfer. Ah, Ah ouais, c'est une bonne game, garde on la est devant au gold tension. pour les bleus, mais on a 10k gold de retard. Oh oui, bien joué de la part de Bass. Le kill d'avance Oh d'Ika là Gold, là, mais ils sont bon, au fur et à mesure que les items se complètent. pas prêts. Attends, parce que là, c'est un teamfight alors qu'il n'y a pas à Sivir, il pourrait y aller, hein, il pourrait y aller. Ouais, là, je pense que l'âme Nashor, ça fait trop peur. Oh oui, bien. Bien, bien, bon taunt. Et le Super, stun. super, encore. Faut y aller encore. Hein. Oh bah, ils ont pas voulu aller plus loin, ils ont eu trop peur. Mais ils ont la vision sur Sivir, là, ils pourraient dire de go. Il la voit peut-être en train de taper ses sbires. C'est un Finon là, qui est des full stuff et qui tape toujours des sbires, je pense pas que ce soit le meilleur choix. Là, il a le baron, il a l'Elder. Oh non! Saikyu qui se fait Oh. attraper. Il se prend l'ulti, il se prend l'ulti. Ok, ça passe. Mais c'est vraiment une game des enfers là. Il hint, j'ai l'impression, là, Dolte. Hein. Ils avaient fait le move, ils avaient gagné la game et là, ils viennent de perdre leur tempo. Les teams, ouais, elles enchaînent hein, les erreurs. Et ça leur coûte. Parce que du coup, ils laissent le temps à Zone Wolf de revenir, le stun. Ok, le set qui est encore au milieu de tout le monde et qui va encore 1v4. Sivir Ce champion des enfers. qui va Oh là ils là. vont ils vont faire un 2 Oh, pour 1 pour l'instant. Bass. Non, Bass, c'est pas là qu'il fallait dash. Oh là là, il va mourir. 2 pour 1, 3 pour 1 en 2v4. Aïe aïe Oh là là, aïe aïe. Zeralith qui est en train de carry la game tout seul. Oh là, très bon slow hein, de la part L'Elder de ce qui a fait le champion. taf hein, aussi. Enfin, grâce à cet Elder du coup Oui, qui. mais Bass qui s'est tellement mal repositionné. D'ailleurs, Bass qui a enfin fait l'item que je veux, le ranking de Syndra plus anti-système, bien joué de sa part. Très bon build là. Mais il aura plus d'âge. Ah, je fais pas ping. Ah, si, je fais ping. Ah! Je fais ping pour. Je sais pas s'il voit une game. Non, ça va Non, pas non, mal, il le excusez-moi. voit pas, il y a 3 minutes de délai, c'est juste pour nous, pour les viewers. Et bah, du coup, il aura du dash pour se mettre dans le rush de la river. Il n'y a pas de dash sur le côté en pleine lane. Il Et s'en serait sorti. c'est un inhib qui est pris, un deuxième avant le Voilà, respawn une de 5 Syndra, et secondes. ils vont continuer Ah, ou ils vont Syndra qui full repartir? self en plus. Oh non, non, tu vas trop vite là. Dawnbreaker qui. Faut attendre ta team. Ok, Le Syndra qui est stun là. sur ce Faut mettre set. ulti, faut mettre. Non, il faut faire une belle rotation de CC. Oh là là, s'il s'en sort là-dessus, c'est un scandale. Non, c'est bon. Et La il va rotation de. de CC qui est pas parfaite. Mais je pense que sur une rotation de CC parfaite, ils peuvent tuer ce set sans qu'il ait le temps de claquer son Z. Là, ils ont 1 minute sans le set, qu'est-ce qu'ils vont faire? Et ben, il n'y a pas d'objectif à prendre, hein, donc ils vont sûrement juste clear les waves avec la Sivir et mettre la pression au bot. Syndra qui est full staff avec sa potion. Ezreal, il manque combien de gold?
Il manque encore 1500 gold avant de. Même plus, 2000 gold avant son item. Beaucoup, encore beaucoup pour le pion. Sylvie. Sylvie qui pourrait revendre ses bottes contre un danseur fantôme, je pense. Elle a déjà changé son canon ultra rapide pour une BT. Peut-être changer la fausse spectrale. Non, moi j'irai les bottes pour le danseur fantôme. Même si on est au bout du rouleau, tu vois, le bout du rouleau ça donne de la mousse pique quand tu tapes, vu que tu tapes avec les ricochets. Je sais Ouais. pas. En tout Là, cas, la RM, il faut de la mousse pile etc. ou de la RM hein, pour cette Syndra. Pour esquiver ou au moins réduire les dégâts. Peut-être une Malmortus. Ouais, mais ça donne pas de mousse pique du coup, la Pas Malmortus. de... Mais il y a la RM. Il y a de la Ouais, mais tu RM, vois, moi, le ce que j'aime bouclier. bien avec le bout du rouleau, c'est que ça donne. Des dégâts magiques et surtout ça donne la mousse speed et la RM. Galio qui va charger, va se faire attraper par la Oh là là, Thalia Galio qui Stun. me pousse seul. Après, il n'y a pas le 7, 7 à sa TP. Il pourrait TP 7 et non, il a confiance en sa team. Il n'y avait personne hein, pour suivre Oh là là, ce dommage. dash. Dommage. Bonescracker qui avait fait tellement une bonne game jusque-là et qui là vient un peu de quasiment donner la fin de la game. Parce que je pense que si Dotto joue bien Flash-in une de carte Sakio compétitive. qui va mettre le Ok. stun sur la Syndra. Il va se Oh faire oui! oblitérer Oh mais d'extra. oh quoi! Les dégâts de Nova Art, très bien joué de la part d'Atomic Envy qui vient complètement tempo. Destructeur Ce qui va Konoha qui mourir s'en aussi. sort hein, avec son Zhonya, son flash out. Oh oui, les bons dégâts de Bass. Bass qui peut claquer un truc, Mais voilà, très de bien l'autre joué de la part de côté, Bass, ça peut y passer. on a cette derrière qui va arriver, qui va flash in. Oui, Il se oh oui, fera très bien arrêter joué. par la Très bon Syndra. stun de la part des Grippins. Le S, Il a un Ezreal, nu, t'approches il a un pas nu. trop vite. Oh non, il aurait fallu ult ce Oui. Ezreal là hein, pour l'amener vers son équipe. Et Ouais, mais je pense qu'il a assez. se repérer. Et Très sur. bien joué de la part des Unworld qui retardent encore plus cette game qui ont toujours 10 cas de retard et 4 kills d'avance et qui viennent prendre, ils vont venir prendre ce dernier inhib. Mais ils perdent leur dernière inhibe et leur dernière T3. Hein. Il ne reste plus que Ouais, les là. deux tours de. De la base est quasiment à nu et puis le Dendrak qui va respawn. Il n'y a pas Ezreal qui de. sera pas revenu à temps. Non, 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 là Ah. faut aller contest. Je pense qu'ils peuvent laisser le Sion défendre, il a sa TP Sion. Ah non, ils vont se faire revoir. Est-ce qu'il peut. Non, il n'y a pas eu de trap qui a été proposée de l'équipe adverse. Et Pendant cet que Elder cet adversaire qui est proposé. Sion engagé. qui Hein. utilise la base. Mais qu'est-ce qu'il fait le Sion? Mais faut TP ulti en flanque, là, il vient de perdre son ulti. Ok, Ezreal qui n'a plus son ulti en plus. Ok, ils vont tenter un 50-50. C'est pas tout à fait débile, mais ça peut leur coûter très cher. Ok, très bon ulti de la part de. Novar qui se fait attraper Thalia. par Sakio C'est qui eux qui prendra pas de finissent dégâts sur. grâce à son bouclier mais il se fera immédiatement instant Oh, après attention, il faut l'Elder. pas fight, il y a l'âme. L'Elder qui a été pris par Zone Walls. Oh là Et c'est deux là, kills mais la base et la la base. base. La base. Ah non, mais on s'en finit, faut cancel là. Pourquoi il cancel pas? Et Une tour qui Azerite, on tourne. n'en parle pas, mais Azerite qui aurait pu carrément TP dans la base et finir la game. Hein. Une tour qui tourne. Oui, en effet. C'est vrai qu'on. Azerite qui a préféré TP pour essayer de sa team, mais là il pouvait finir la game qui aurait dû être finie. Parce que si c'est en finant comme ça débat et que Azerenit TP base, c'est endgame. Hein. Et du coup, là, s'ils avaient. Du coup, c'est beaucoup de farm et beaucoup d'XP pour. Enfin, beaucoup d'XP. Du coup, ils sont tous Ouais, niveau 18, mais ils mais sont plus beaucoup niveau de farm. 18 et ils sont plus full stuff bientôt. Donc, Mais. Ouais. Mais ouais, c'est bon. Sion et Zac qui. Sion, Zac, Galio qui n'avaient pas encore fini, hein, donc ça leur laisse encore du temps. C'est encore D'ailleurs, leur. j'aime Ça. bien le jeu du chevalier sur ce Sion. Oh là là, cette game qui n'en finit pas. Après, là, ça va être très difficile de sortir de la base. Hein. Ah, bah, j'ai plus accès au chat, mon téléphone. Ah, plus de batterie. On a du coup Lake IDF, aka Plata, qui nous dit que 7 aurait du TP base et c'est défini, en effet. Ah, oui, non, mais le 7 TP base et sans finir comme ça. Sans finir d'ailleurs, 486 CS. Qui a revendu ses bots pour prendre le canon ultra rapide? On en parlait. C'est fait. Ezreal qui pourrait faire la même. Après, Ezreal, qu'est-ce que tu vois? Oh, Ezreal, il pourrait prendre une plaque du mort. Oui. Ah, je sais pas si c'est valable parce que la CDR est quand même bien. Ou après, la 15%, 15 accélérations. Non, 20 accélérations de compétences quant à. Il a combien? Il a. Tac, c'est pas marqué. Il y a encore combien de temps sur cet Elder? Morello, deux côtés épineuses, un Morello, trois côtés épineuses. Tous du anti-heal, hein, du coup, contre cette âme de dragon.
C'est normal. Le Galio qui va de la Chine va utiliser son taunt, mais Ah ne oui, se j'avais vu, touchera tu fais bien de le rappeler, il y a 50 îles, 3 côtés épineuses, un Morello et un rappel mortel. pas. J'aurais peut-être pas fait le rappel mortel hein, avec. Bah là, du coup, ouais, vu qu'il y a 3 temps de mail et tout, là, il aurait pu partir sur. Oh, Non, non, il n'y a plus je de serais. Banshee? Plus de Le flash. flas a fonctionné. Non, non, j'aurais fait l'item. L'item. Moi, j'aurais fait une petite Sylveoras. L'item, comment ça s'appelle? Qui fait de l'anti-heal, mais qui donne aussi de l'accélération de compétences et des Ah PV. oui. Je peux avoir accès à la boutique, ça m'énerve. Voilà, Ezreal. Ok, bon, je suis super du voiture. Moi, j'adore la. Hop, Ok, les super bien achats. joué. Il peut servir tellement de choses avec son build. Et là, l'Elder, on est d'accord, il a fade. Oui, il a fade. Il a fade, ok, très bien. Prochain objectif, Elder en 3 minutes. Donc là, il y a 3 minutes. Et le Nashor. Il est encore pendant combien de temps, Nashor? Pendant ce temps, on a Panthéon qui est au top, qui va accompagner cette wave. Ah, Coxly qui la Banshee se fait pop. Zac qui ne va pas engager sur l'équipe de Dolto 2. Allez. Par contre, cette danse de la mort, il faut la vendre, Ezreal. Elle sert plus à rien. Tu prends une BO TRK et tu tapes de loin. T'es pas censé être au corps à corps. T'es pas censé prendre des dommages à ce moment-là de la game. Voilà. En plus, puisque là, il a pas de sustain, hein. Pas assez en tout cas. Ça va être une BO TRK, il aurait récupéré 100, 200. Oh, ok. En fait, Il n'y a plus de bloc. Voilà, il sait qu'il n'y a plus de le chine. flash in et c'est des Ouais, le super zone qui counter est qui se forcé, retrouve. Bast. Bast qui se repasse bien. Evart. Evart qui était trop près, hein, qui est mort contre la Sivir. Et je crois que c'est une fin de game sans Fillon qui double kill. Sans Fillon double kill, pas sans Fillon triple. Et Dolto qui va finir la game là-dessus. Et Donc là, c'est le il. GG. Les Ah, inhibs qui sont ouais. pris, il y a plus qu'une tour. Le Zac va pas pouvoir défendre un 1v5. Et Non, c'est. mais je crois que Coxy a fait un très bon ulti et a sonné la mort de Nova'Hart dessus. Novar qui du coup se fait Et le attraper. bug. Et bah, tu vois que Sunwolves finit avec 3 kills de plus que Dolto et perd quand même le bug. 48 minutes hein, la partie. 532 CS et 100 000. Mais quel game, j'ai envie de dire. J'ai envie de dire une game avec beaucoup de rebondissements. Mais des moves, bah, genre, des moves un peu incompréhensibles, hein. Il n'y avait pas de cohésion d'équipe pour savoir à quel moment finir la Des game. petits strons. On rappellera Azari qui a fait une super game, qui est pour moi le MVP de cette game, mais qui aurait pu finir la game tout seul, mais qui a préféré voilà, lui faire un petit TP à côté du Drake et rejoindre ses amis. J'aurais peut-être mis Nova Art en MVP vu comment Ouais, tu l'aurais bien mis, il a c'est bien vrai. tenu pour son équipe C'est vrai. en mettant ce Swain bien derrière Swain qui du coup a fini 4-10-4. Tac, Voilà. tac, tac. Et je sais pas si tu étais au courant, mais il prévoyait de faire un BO3. Ouais, il prévoyait de faire un BO3. Mais il n'y a que la première game qui compte pour Nalek, Que je la crois. première compte, hein. L'autre, c'est du Voilà. spectacle. Et ben, je crois que du coup, Zone Walls, ouais, ça va être très dur maintenant de venir se qualifier. C'était la game absolument gagnée. Ils étaient pas loin de la gagner, mais malheureusement, les team fights de l'ADERF sont bien trop. De l'ADERF de Dolto 2 sont bien trop solides. Et le farm de Sandfillon, encore une Ah, fois, qui meurt et 4 fois du dans sa. coup, Sakio qui nous dit que la game, le BO3 ne se fera pas en même temps avec une partie de 50 minutes. Ça doit être la game la plus longue d'ailleurs, je pense. Probable. Probable. Deux Elders ont été pris. Trois barons, je crois. Ah, et puis Platane qui a déjà mis le clip au niveau du Drake où Azeri fait un 1v5. En effet, ce teamfight, il fait énormément de bien. Et ben GG, hein, GG. Salut! Salut, Sanfignon, comment vas-tu? Coucou! Bon, t'as vu, la malédiction, c'est pas ça, hein. C'est pas parce que tu castes pas que je peux pas avoir 500 CS avec Sivir. C'est vrai, on en parlait en privé. Comme quoi, j'étais son chat noir. Et ouais, vous gagnez, mais c'était pas une game facile. Hein. Evart, c'était une game exceptionnelle. C'était très très Galio dur. aussi. Hein. Bonne Hein. Sweater qui fait une très très bonne game, qui fait des bons teamfights impressionnants. Ah, Et j'en chie, hein. Dans ma Bast. backlane, moi j'en pouvais plus, là j'étais en train de me faire Ouais, maltraiter par tout ce qui bouge.
D'ailleurs, tu as encore de la chance, parce que je pense que si Sion et Zach avaient pris le Gantelet Givrant, ça en aurait encore bien plus chié. Ah ouais? Le Gantelet Givrant qui a été up, qui coûte moins C'est cher, qui le... donne des PV, qui augmente la sortir le taille. textile, c'est ça? Non, ça augmente la taille du champion. Oh putain. D'une part, ça te slow, et quand tu joues Zach et Sion, quand tu es plus gros, bah, c'est mieux quoi. Si le perso n'était pas déjà assez grand. Voilà. Et Incroyable. ouais, est-ce qu'on peut m'expliquer le move pourquoi Azeralith ne TP pas à la base au niveau du Dragon? En fait, on lui a dit, enfin, genre, la seconde où il TP, je lui dis TP base et il a TP C'était Fist of trop. Fate. Ouais, là, C'est bon, j'ai fait. vous l'avez communiqué trop tard ou vous y avez pensé C'est trop tard. ça, c'est ça, c'est ça. En fait, j'ai vu qu'il voulait TP, j'ai fait TP, TP, et puis après, j'ai regardé la base, j'ai fait un TP base et c'était trop tard. Quel dommage. Mais c'est dommage, on aura fini plus vite. J'ai pas, il faudrait revoir le dernier teamfight, mais je crois que Coxy fait un ulti magnifique qui empêche, qui tue complètement Qui bloque Syndra. Overheart. En fait, Et c'était j'ai pas plus mort. j'ai plus 1v1 le Syndra. Ouais, c'est ça. En fait, c'est ça, Très bien joué, bravo. Hein. c'était le but du wall, c'était vraiment bloquer Syndra hors du fight. Bah, c'était le rôle de Pour la ensuite. de compo en soi, d'avoir un wall qui bloque le tout et après on charge avec l'ulti ici. Ah, je vois que Morgane nous rejoint. Alors, c'est qui, Morgane? Morgane, C'est c'est. Morgane, votre hacker. Morgane. C'est qui Ça va, Morgane? ça Alors, va. faut savoir Encore que envie Morgane nous d'éclater un insulte clavier, toute la mais. semaine à l'EFEM. Faut savoir ça. Un peu envie d'éclater un Tous les clavier, jours, il mais nous voilà quoi. insultait. Pas si friendly C'est du qui coup la cohabitation. Ah mais franchement, pour un, comment on appelle ça, un classico entre un classico ifomien, c'était une game quand même qui a répondu à la hauteur de nos attentes. Hein. Ouais. 48 minutes, 71 kills, C'était des trolls de partout. bien plus close Ultra noob. qu'on Après, il que y a je eu l'aurais des beaux imaginé. moves. Hein. Parmi tous les trolls, il y a eu des beaux moves, je me rappelle. Oui, là, avec le triple avec le triplé au bot sur le l'ulti du Zac avec le taunt de Galio et l'ulti de Ah Ezreal. ouais, quand on Pas les ce abeilles move-là. dans le bush de la C'est lane, là. ça, c'est ça, ce Oui. move-là entre le dash du Zac qui est perfect avec l'ulti du Ezreal. C'était magnifique. Ouais. Ouais. Oh, je rougis. Je rougis. Je sais pas Bass, encore par contre, lequel. est-ce que Bass est là? Parce que Bass, il y a eu beaucoup la caméra sur lui quand il a raté ses Q-spells, malheureusement. Bass. Il est des mutes. Non, Bass, il est parti faire autre chose, je pense. Il est parti pleurer. Ezreal qui glisse et ça se voit qu'il stressait le joueur aujourd'hui. Ah, Ah, maintenant il a il est pris là. le voilà, le voilà le joueur français. Ça va, Chris? Ouais, ça va. Tu stressais un peu, non? En vrai, putain, mec, j'avais l'œil sur ton farming. À chaque fois, je me disais, ouais, mais je vais jamais rattraper ça. Impossible. Non, Et ouais. en même temps, la strat au début de la game, c'est ok, faut que je booste mes stats de farm. Le Mais attends, but. tu devais être full stuff à 15 minutes, non? De quoi? Tu devais être full stuff à 15 Mais minutes? non, j'étais en retard, j'étais derrière toi à 15 Ah minutes, non, hein, non, c'est pour ça que t'étais j'ai. even au gold, t'avais pile 9500 gold et lui pile 9500 gold, Parce que exactement j'étais en à 0, j'étais en 25 minutes 0,3, 0,3 25 minutes de jeu. Mais j'arrive pas trop à comprendre comment ça se fait que t'as pu prendre autant d'aisance à farm là. Enfin, je veux dire, qu'est-ce qui t'a fait farm autant en fait, simplement? Pas la civière moissonneuse batteuse. Tu demandes à Nils s'il comprendra. Il n'a pas Comment? vu un seul compte jungle. Tu regarderas la note jungle sur les games. Ah oui, d'accord. Mais il a quand même des chances quand tu farm, hein. C'est hyper honnête. Non, En fait, il a non. Beaucoup d'avance en early, Coxy. D'accord. Et après, du Ouais, coup, il a cédé un peu de sa ça a été jungle. pénible, ça a été pénible. On aurait dû plus teamfight, je pense. Je sais pas, je crois vers le milieu de la partie, donc vers 30 minutes, je crois. Bah, le moment où tu avais tes deux Non, items, où tu étais devant non. moi. Mais on a perdu notre E3 trop rapidement, en fait. Ouais, En en fait, fait, vu qu'on avait deux inhibs tout nuls. ce qui fait très mal, c'est que bah, Zeralit, il fait une game de fou où il se vient en teamfight. Et en fait, vous n'arrivez pas à faire la perfect rotation de CC. Si vous faites une perfect rotation de CC sur un Zeralit, vous le tuez avant qu'il puisse CZ. Entre le taunt, le bump, Le stun de Syndra. l'inhibition. Ouais, non, mais dans ce cas-là, Non, si on met tous nos CC sur lui, la civière, elle nous coûte des coupes derrière, quoi. C'est toujours le même non, rôle. non. Pas Fume-moi. forcément, parce qu'en fait, à ce moment-là, et son fusion, il est pas gros. Au C'est moment vrai. où il y a des teamfights importants. Et si vous tuez, c'est Azeralith qui, même Platane a mis le clip, vous allez pouvoir voir, il fait un teamfight 1v5. Il arrive au milieu de vous tous, il vous détruit, il met un dégât brut sur 3 personnes. Et bah, ça fait très mal quand vous voyez que vous mettez tous vos sorts sur lui, mais que vu que vous ne mettez pas la bonne rotation de CC avec l'âme océan plus sa sustain de base, et bah, il est plus la BOTRK, bah, il arrive Ouais. Mais à. le dernier fight où justement l'ulti de Azeralith qui prend la Syndra et moi du coup qui m'écarte complètement
avec d'ailleurs l'ulti Talia qui m'empêche de rejoindre mes coéquipiers. C'était vraiment c'était la fin de la game. Enfin, on pouvait pas. En fait, à partir du moment où l'ulti est passé, c'était compliqué. C'est violent, hein. Le power, la puissance de Talia, je trouve ça vraiment trop fort. Ouais, franchement, c'était. Et encore, je suis Ezreal, hein, je peux dash. Hein. Non, mais genre, tu vois, genre, tu as des trucs comme Syndra, je trouve ça vraiment trop fort. Tu joues ça avec un Jarvan 4, comme ça, tu mets plein de murs partout et il n'y a plus personne qui peut jouer. Et ouais, si j'ai une critique à faire sur Zone Walls, c'est les 3 jets solaires que vous devez faire 3 points cryogéniques. Vous avez 3 champions qui ont besoin d'être gros et l'item fait que vous soyez plus gros. Et ça coûte moins cher. Vous avez pas vu le buff? En fait, il y a eu une buff du gantelet givrant qui fait que maintenant le passif par chaque attention. Bah, en gros, maintenant il coûte 2800 au lieu de 3000 et quelques. Et il augmente de 100% plus de 100 PV plus 6% de taille par chaque objet mythique supplémentaire. Par chaque objet légendaire. Donc quand t'as un Sion et un Zac à 4-5 items, bah il est 25-30% plus gros, sachant qu'il a besoin d'être gros pour ses spells. Ça aurait été 50% plus, ça met un Sion en plus. Plus d'HP, ça fait aussi plus de dégâts pour 7. Hein. Ouais, mais tu fais un slow, t'es plus gros, c'est tout ça. Salut Paul. En tout cas, voilà, c'était une reproche que j'ai à faire, mais en tout cas, la game était incroyable, GG à vous. Ouais, c'était marrant, en vrai, les gars, bien joué, hein. Ouais, c'était cool. Ouais, super marrant, de ouf. Ah, bien joué, cette fille sur moi. Faire toutes ces games de 50 minutes, c'est sympa. Oh là là, mais c'est trop chiant, mais dites-vous que moi, pour moi, elle a duré 20 minutes, la game, parce que le temps que je commence à jouer, bah, il était déjà 35 minutes. Lorient, t'as kiffé la vision ou pas? C'était pas trop chiant? Ah, si, il y avait tout le temps des petites... À un moment, on a ward le bush près de la mid lane, en bot side, et il y avait genre, je sais pas, 4 ward. Ouais. Vous avez vu mon score de vision à la fin ou pas? Non, c'est comment? Alors, 193. Aussi... Il est aussi indécent que mon farm. 100. Il a mis deux fois plus de base que Bass. Pourtant, Bass, il fait que... Score de vision 193. Voilà, 193. Donc, il met 40... 95 balises. Il en détruit 27. Et il met 10 pink. Attends, par contre, tu mets 95 balises posées? Ouais, un truc du genre. Ouais, c'est ça. Tu fais quoi, tu... Mais non, tu mais 3 et tu baquais. Mais non, mais c'est parce que je sais pas si ça compte les balises fantômes, mais avec son truc qui one shot. Ça compte, ça compte. Ouais, ça voilà, et avec son truc qui one shot les wards en plus là. Mais tu comptes que toutes les balises que j'ai tuées, plus ou moins quelques-unes de ma team, ça fait des wards en plus. Ouais, voilà. Oui, non, mais même 86 de score de vision, c'est très bien. Oh non, mais en plus je me suis fait 4 une ou 2 fois après. Par contre, ce qui est pas mal, c'est les scores de balises de score de vision de Talia et de Sivir, hein, 60 et 64 pour un ADC d'une gamme. C'est pas mal du tout. 14 pinks de la part de Coxy. Bah, yes. Moi, le truc, c'est qu'à la fin, j'avais tellement de gold que je voulais acheter des pinks, mais j'avais plus de place dans mon inventaire. Bien sûr, mais ça fallait utiliser. À la fin, c'était tout le monde full stuff et on se fout sur la gueule. Hein. Oui, sauf que Stibir, c'est la meilleure plaisirée dans la game. Putain, ouais, je suis limité. On a tellement flex, c'est tellement rigolo. La draft, c'est vraiment énorme. Hein. Non, par contre, moi j'ai une question. Comment vous avez fait pour ban Shen? Je l'ai vu que tu l'avais joué, mais si t'avais fait un indice, ça m'avait saoulé. J'ai vu que t'avais joué Sion et je me suis dit Sion, j'ai moins peur que Shen. Je savais que c'était une chance sur deux. En fait, le jour où j'ai joué avec vous, t'étais pas là toi, et là, juste avant j'avais vu que t'avais joué Shen et j'ai fait jouer pas Shen. Sakyo en fait il nous invite à faire des games juste pour nous espionner, là on va jouer pendant 5-10 semaines là. Non, je vous avais espionné avant. Bon, par contre j'avais joué Janna juste avant, vous ne l'avez même pas ban, je suis choqué déçu. en fait je l'avais vu que dans les historiques quand j'étais remonté, et je voulais pas un Shen parce que je me suis dit si je joue Pente, Shen il va juste me faire chier, il va dessus faire tout. D'ailleurs, Bossy du dragon. Joli, tiens. À l'ulti. Ah ouais. Bon allez, bonne soirée les gars. Merci. Bonne soirée. C'était une super game, hein, de la part des deux équipes. C'était super. Ouais. Salut. Bonne soirée. C'est impressionnant. J'ai coupé le stream. Ok. Ciao. Putain, c'était con. Ciao.